Hello, hello, c'est Galatée dans ce joli décor pour te donner la météo en futurologie des semaines qui arrivent, du moment, puisque le futur désirable, ça se construit toujours, toujours au présent, et ça se construit au présent en lâchant le passé qui n'a aucun avenir. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vais me baser sur mon expérience perso, bien sûr, comme toujours. Donc, je suis tombée par hasard sur des commentaires. Normalement, je ne regarde pas trop, mais il y avait des commentaires très agressifs en disant bah, Galatée, pourquoi tu ne travailles pas gratuitement? Enfin, tu devrais faire tout ça gratuitement. Et surtout, tu devrais donner tout ton protocole détox, enfin tout ce que tu fais en le faisant avec un accès qui est payant, fais-le gratuitement, sinon t'es ceci, ceci, cela, avec des choses assez injurieuses. Donc, on m'avait déjà fait ces critiques. Moi, je suis bien consciente, surtout sur Internet, que les gens qui critiquent, en fait, c'est des gens qui voudraient faire ce que tu fais, mais qui ne se l'autorisent pas. Et donc, la bonne excuse pour eux-mêmes ne pas passer à l'action, ben, c'est bien sûr de te critiquer toi. Tu vois, comme Galatée fait quelque chose de mal, et ben du coup, moi, je n'ai rien à faire. Donc, je pense, normalement, je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique, mais c'est extrêmement riche d'enseignements et ça correspond tout à fait aux énergies ambiantes. C'est pour ça que je t'en parle ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de choses gratuites, comme la sécurité sociale, comme les fléchettes, comme beaucoup d'informations dans les médias mainstream qui sont gratuites. Et en étant gratuites, qui te mettent dans un certain confort, mais ce confort te nuit. Ce confort, oula, j'espère que la caméra tient, il y a du vent, ce confort est toxique. Et pour changer les choses, ça demande un effort. Et dans ces dernières décennies, on nous a déshabitués de l'effort. On n'a plus la culture de l'effort. Et pourtant, ce futur désirable, pourtant, le fait, tu vois, que je sois ici, que je sois en train de te parler, ça me demande, ça m'a demandé et ça me demandera beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, quelle est la valeur de mes partages? Cette valeur, c'est essentiellement de pouvoir t'inspirer, de pouvoir dans ta journée être le petit déclic qui te permet, ben, comme à un moment donné des vitamines, comme un boost comme ça d'énergie, de te dire ben, oui, c'est possible, oui, ce qu'exprime Galatée, c'est quelque chose que je ressens aussi, et donc ben, ça va me faire gagner du temps dans mes passages à l'action, dans mon futur désirable. Donc, oui, pour moi, il est tout à fait légitime de faire payer un détox parce qu'au-delà d'avoir l'information, ben, le détox, ça demande des efforts, ça demande un investissement, ça demande une prise de risque et l'échange d'argent dans l'art des gens initie déjà ce passage à l'action, initie déjà ce don et ce recevoir. Et par rapport à mon expérience de la vie, c'est aussi la meilleure façon de donner de l'ampleur à ces solutions de détox. C'est-à-dire que si je disais ça, ce que je partage en privé, je le disais gratuitement, ça fait longtemps que sur tous les réseaux, mes messages auraient sauté, j'aurais été bloquée, etc. Et ça n'aurait pas eu du tout l'impact que ça a à l'heure actuelle. Et ce qui se passe quand tu vois qu'il y a 5 milliards quand même de personnes à détoxer, ben le fait que moi, Galatée, je puisse gagner de l'argent en aidant mes prochains, c'est extrêmement inspirant pour d'autres belles personnes qui se posent des questions d'évolution de leur carrière professionnelle en ce moment et qui se disent, ben oui, c'est possible, le besoin de détox est énorme. Galatée peut m'aider, m'inspirer, moi aussi, à participer à cet élan. Toute chose s'équilibre sur Terre. S'il y a en ce moment une situation dramatique à ce niveau-là, avec, on le sent tous, des gens qui sont extrêmement mal et qui ont besoin de vraies solutions, ben déjà de payer pour l'expérimenter soi-même et du coup d'être légitime pour partager l'expérience. Alors après, chacun choisit, en le faisant gratuitement ou en le faisant payer aussi, ben c'est tout à fait vertueux comme cercle. Okay? Alors que si, et tu le vois par rapport au New Age, si tout le monde, et ça a été le Beans à un moment donné, tout le monde te dit,
Ah ben c'est ceci, c'est cela, sans avoir forcément expérimenté, sans avoir, tu vois, quelqu'un qui te dit, ben l'argile fonctionne, why not? Mais regroupe 2000 personnes, détoxe-les à l'argile, partage-nous. Pour ça, il va te falloir des moyens, donc il va falloir à un moment donné qu'il y ait un échange financier. Et là, ça devient intéressant comme expérience, ok? Donc pour moi, c'est complètement OK d'être critiqué parce qu'à partir du moment où tu t'exposes publiquement, bah, en tant qu'adulte, tu es bien conscient qu'il y a des gens que ça va impacter et donc il y a des gens qui vont te capter et que tu vas inspirer positivement. Et puis il y a des gens que tu vas irriter parce que justement, bah, tu titilles leur passage à l'action. Donc voilà ce que je voulais te dire et en quoi c'est intéressant par rapport aux énergies du moment, c'est qu'effectivement, nous sommes en guerre. Hein. Effectivement, alors tu as des guerres à la fois au niveau du climat, puisqu'on voit bien, je suis extrêmement attristée de voir tout ce qui se passe en Libye, au Maroc, ce qui s'est passé à Hawaï. J'avais parlé de ciel rouge. Tu vois bien que chaque fois, il y a quand même des ciels rouges avant ces événements. Et c'est vraiment une ambiance d'apocalypse, mais cette apocalypse étant aussi une ambiance de révélation. Tu vois bien également que c'est une guerre contre les peuples. Là, je ne t'apprends rien. Mais ce que je veux te dire ici, et là où c'est plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est aussi une guerre intérieure. Tu vois, moi, pour pouvoir te faire cette vidéo de réponse aux critiques par rapport à la légitimité du fait que je gagne de l'argent en aidant mes contemporains à détoxer des fléchettes, qu'ils soient fléchettés ou non, parce qu'aujourd'hui, la toxicité, je n'arrête pas de le répéter, est partout, que tu aies joué aux fléchettes ou non, c'est pour ça que. À un moment donné, ils ont arrêté de mettre la pression sur les fléchettes parce qu'ils savaient très bien qu'on allait se mélanger et que tout le monde allait être impacté. Ben, le fait d'être engagé, c'est aussi une guerre entre moi et moi. Ça me demande, si tu veux, énormément d'efforts, énormément de clarification, énormément d'affirmation de moi-même. Et donc cette guerre de toi à toi, elle se joue entre deux pôles. Un, premier pôle, mettre des limites. Donc bien sûr, tous les gens qui ont été agressifs en commentaire, je les ai bloqués, parce que c'est comme quand un chien du voisin fait caca sur ton paillasson, ben, tu vas arrêter de laisser le chien venir sur ton paillasson. Donc ça, c'est fait. Donc premier pôle, poser des limites claires. Deuxième pôle, écouter ses envies. Moi, à un moment donné, si j'ai envie d'habiter près de la mer, où il y a du vent, c'est légitime pour moi. Et en habitant ici, est-ce que je devrais le cacher? Est-ce que, au contraire, si moi, ça me remplit de belles énergies, est-ce que c'est légitime de le partager? Donc oui, il y a toujours des doutes, oui, il y a toujours des pudeurs, surtout quand on s'exprime publiquement. Mais aujourd'hui, si tu agis entre le fait de poser des limites et d'écouter des envies et de faire des efforts pour aller dans le sens de tes envies, tu es en train de gagner la guerre spirituelle qui se joue à l'intérieur de toi et qui se joue aussi à l'extérieur de toi. Et donc, je te donne un simple exemple par rapport à toute la propagande coco-loco qui est en train de renaître. Ben, tu poses des limites. De toute façon, toi, c'est non pour la muselière, toi, c'est non pour quelques doses que ce soit. Voilà, c'est clair, ils pourront faire ce qu'ils veulent, la limite c'est non. Et en même temps, t'écoutes tes envies. T'as envie de déménager, t'as envie de gagner ta vie différemment, t'as envie d'aider les autres. Mais souvent, quand on veut aider les autres, c'est qu'on veut s'aider soi-même. Et si tu veux, moi, la première personne que j'ai aidée avec ce détox, c'est moi et ma famille. Et après, évidemment, je suis légitime du coup pour partager l'expérience. Donc voilà ce que je veux te dire parce que les jours, les semaines qui arrivent sont très intenses en termes de shift d'énergie et la meilleure boussole sera de te gérer entre ce à quoi tu poses des limites extrêmement claires et ce vers quoi tu veux aller en passant à l'action, en faisant des efforts. Donc, pour ceux qui hésitaient, si ça peut les éclairer, oui, le détox que je propose est une expérience personnelle, mais qui aujourd'hui est partagée par 2000 réinventeurs, donc on a un recul. Et oui, même si beaucoup de choses très naturelles peuvent fonctionner,
Aujourd'hui, on a un retour d'expérience. Et alors moi, je suis futurologue, donc je suis en avance sur mon temps. Tu veux donc toutes les preuves, entre guillemets, scientifiques de ce que je t'avance ici sera en principe, de mon expérience de futurologue sur des dizaines d'années, sera confirmée dans le futur. Mais en tant que futurologue, je fais toujours un pari sur le futur. Okay? Donc, des choses, comment tu peux le vérifier? Des choses que je disais alors que rien n'était sorti, quand je disais ne pas coucher, ne pas avoir de rapport intime avec quelqu'un qui est fléchété, ben, ça a été confirmé des mois, voire des années après, là, un an et demi après. Quand je disais même si on n'est pas fléchété, on peut se choper des trucs au contact des fléchétés, c'est aujourd'hui confirmé. Donc, parions sur le futur, que ce que je te dis par rapport à mon protocole détox pourra être vérifié dans le futur. Après, on est des adultes libres qui agissons selon notre nécessaire libre arbitre. Si ça te parle, génial. Si tu hésitais un peu par rapport à l'aspect payant, ben, on dit « pay to pay attention ». Tu ne feras rien si tout est gratuit dans la vie en général. Et on voit bien qu'il y a un stress test en ce moment sur ces notions d'argent, par rapport à l'inflation, par rapport à nos habitudes de consommation, on voit bien que tout doit changer maintenant. Et forcément, si tu investis en toi-même, si tu investis dans un protocole détox, déjà, tu enclenches des engrenages vers ton futur désirable. Mais là, c'est ma propre expérience, c'est l'expérience de ceux qui me suivent. Je voulais pas faire aussi long en météo futuro sur le sujet, mais ça te donne la vibration de ce qui se passe en ce moment et de ce qui se joue à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous, parce que tu pourras appliquer ça, poser des limites et écouter tes envies à absolument tous les sujets qui vont nous sauter à la gueule dans les prochaines semaines. Voilà, désolée d'avoir fait si long, mais ça me semblait utile. Et j'espère que vous appréciez. Et merci à tous ceux qui répondent aussi à ma place en commentaire par rapport à la légitimité de mon travail, par rapport aux cadeaux que je fais avec beaucoup de partages gratuits et par rapport à mon engagement, à la prise de risque et à la sincérité de mes propos et de mes actions et de mes efforts et également des efforts de toute mon équipe parce qu'il y a une équipe derrière tout ça aussi. Merci à tous, à très vite.